Yuri, Esteban et Mathias sans plus. Vous écrivez comme vous dites que vous voyez dans votre petit carnet pour écrire tous vos scénarios. Oui. Mais je voulais dire que la douleur que vous ressentiez ou quelque chose comme ça, et bah grâce à ça, vous avez tiré quelque chose de bon et vous avez pu écrire tout ce que vous écrivez aujourd'hui quand ça vous a un peu foiré. Donc qu'est-ce que tu mettrais comme mot? Moi j'avais pensé, je sais pas, je pense que soulagement c'est parfait. Il y a écriture, soulagement, liberté. Et liberté. C'est super. Des autres garçons et filles qui ont entendu les textes, peut-être que vous avez vous aussi quelque chose à vous avez ressenti quelque chose et vous pouvez le mettre en un seul mot comme l'a fait Sarah, comme l'a fait Jasmine, Gabriel et Lucas, non? Il y a un mot qui pourrait résumer ce que vous ressentez. Je dirais de la détermination. Il était grand, intouchable, mais il vivait lui aussi les injustices dues à ses origines. Je ne pus m'empêcher de faire le lien avec les travailleurs immigrés des années 60. J'ai lu les années plus tard l'interview de Salif Keita, qui avait fait la gloire de Saint-Étienne durant 5-6 ans. On sent que ça a été difficile, mais que malgré ça, bah, vous avez continué à vous battre. Et vous avez fait cette rencontre d'ailleurs, du coup. Et bah, du coup, ça vous a proposé un rôle. Et ça vous a soulagé. C'est ce que vous ressentez. Ben ouais, c'est bon. Merci. Pour bien des jeunes des quartiers qui ne trouvaient aucune issue, une fois leur étude terminée pour les uns, ou lorsqu'ils étaient en échec scolaire pour les autres, le réveil était bien triste. Le quotidien s'arrêtait à la cage d'escalier de leur barre d'HLM. Je faisais face au juge pour enfants. À côté de moi, je sentis la présence de mon père, la honte qui enflait en lui. L'humiliation encore et toujours, l'obligation de demander pardon. Je sentis la colère retenue dans sa masse puissante, celle du puisatier mineur coffreur, ses muscles qui tremblaient à peine sous le veston et qui domptaient du matin 6h au soir 17h le marteau-piqueur, la pelle et la pioche. Je sentis toute cette force bouillonner près de moi malgré le port droit, l'attention polie, la dignité. Alors je me fis tout petit. Je me recroquevillais tant que je pouvais. En tournant les pages de mon dossier scolaire, le juge me demanda si je jouais au foot. Je lui répondis que oui. Un jeune qui a fait des bêtises, qui a fait des conneries. J'ai envie que tu me donnes le ton du juge. Tu deviens un juge. Voilà. Tu vois? Allez, vas-y, essaie. Alors voilà, commença-t-il. Je vais t'orienter vers un centre professionnel pour adultes. Tu suivras une formation de 3 ans et tu en ressortiras avec un métier. Il y a plusieurs options. Tu choisiras celle qui te convient. Il y a aussi une très bonne équipe de foot cadet et junior. L'équipe éducative du centre t'attend dès le week-end prochain. Les permissions de la famille. C'est un week-end tous les 8 semaines. Attention, le moindre écart peut transformer tes 6 mois de sursis en une peine de prison ferme. N'oublie pas que tu as une mise à l'épreuve de 5 ans. Vous aviez dit qu'on pouvait interpréter notre texte à notre manière. Ouais. Et moi, j'ai choisi l'école parce que je trouve qu'on n'est pas obligé de l'interpréter de manière sérieuse. À part que là, sur le ton, tu es sur un ton qui est, comment dirais-je, un petit peu sur le ton, on va dire, de la légèreté. Ouais. À part que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une légère nuance. Ouais. Parce qu'il y a le descriptif de la maîtresse, de la professeure, ouais. Mais ensuite, il y a lui qui se raconte. Surtout à la fin, il y a lui qui se raconte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le descriptif que tu fais de la maîtresse, tu le donnes sur un ton, mais après, quand lui se raconte, tu ne peux pas le donner sur le même ton. Sinon, on n'a pas les nuances et tu restes sur la même tonalité. Et là, ça... Tu veux essayer? Quel dommage que je ne me souvienne plus de son prénom. Elle se déplaçait dans la classe avec élégance. Ses cheveux blancs, cendrés, accrochaient la lumière. Quand elle disait les dictées d'une voix rauque, travaillée par des années de gitane sans filtre. Madame Mercier n'avait pas besoin de lever le ton pour se faire entendre. Elle écrivait au tableau les leçons du jour, et je me délectais de son écriture. Je m'abandonnais à ses pleins et à ses déliés, aux arrondis parfaits de ses majuscules. Sans forcer sur sa voix de flumeuse, me disait « Slimane, pour la énième fois, arrête de bailler au corneille !»
Slimane, pour la dernière fois, arrête de me dire.